C'est une initiation qui est vraiment bien. Le fait de le faire par un collège, c'est bien pour les parents d'élèves qui puissent venir sur leur temps libre pour donner leur sang, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, c'est super que ce collège mette en place ce dispositif pour aider les personnes qui en ont besoin. C'est sympa de venir soutenir les gens qui donnent leur sang. Donc cette année, je crois que les années précédentes aussi, les stacks étaient parrains de l'opération. Donc c'est sympa, c'est agréable. Et puis de découvrir les gens aussi de la vie troyenne, c'est plaisant. Ouais, bon, nous on a des prises de sang aussi des fois dans le club, donc on connaît un peu la technique. Mais bon, surtout tout ce qui est autour et comment c'est prélevé et les questionnaires qu'il y a avant tout ça. Donc il y a des trucs que je découvre un petit peu. Et puis voilà, donc ça permet de discuter avec les gens qui s'en occupent et qui font du bon boulot pour aider les gens. C'est toujours plaisant. Le but, c'est justement de voir avec les jeunes de 4e, 3e, avec les profs d'SVT, de façon à ce qu'ils soient sensibilisés pour le don du sang. Ils sont allés voir leurs parents, leurs familles, cousins, cousines, enfin bref. Ils devaient ramener un maximum de personnes pour cette collecte de sang. Et ça a super bien marché, il y a toujours une bonne ambiance. Les profs amènent des élèves pour leur expliquer comment consiste la collecte. Et ça se passe super bien. Franchement, oui, c'est quelque chose que je ferai, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et ça, c'est important pour les personnes qui en ont besoin, et ça permet de faire avancer les choses. C'est très très important. Il y a forcément toujours des besoins. Il y a des périodes où il y a moins de stock, comme c'est le cas actuellement. Et tout ce qu'on peut récupérer comme poche de sang, surtout des nouveaux donneurs qui... On va essayer de les fidéliser pour qu'ils puissent continuer à donner leur sang.